French poetic realism was an era of film that took place in France during the 1930s. This era possessed many different characteristics, making it one of the most interesting film movements, in my opinion. French poetic realism was not strongly unified, meaning that rather than one single group creating this movement, many individuals did. French poetic realism is also called recreated realism because of its particular style. This film era portrayed a fatalistic view of life and consisted of nostalgic and bitter tones. French poetic realism tied everything together by combining different social classes into a single storyline. During this film era, many different filmmakers made their way into the spotlight. Some of the most prominent ones were Pierre Chenal, John Vigo, Julien Duvivier, Marcel Carnet, and the most famous of them all, Jean Renoir. La Grande Illusion, a movie by Jean Renoir, was one of the very first prison escape movies ever made. It is now viewed as one of the greatest films of its time. Mettez-vous une question. Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en me recevant chez vous? Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boisdieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Raffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mais mes camarades sont aussi des officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officier. Ils sont de très bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française. Je crains que ni vous ni moi ne puissions arrêter la marche du temps. Voyez, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin des Raffenstein et des Voyez-Dieu. On n'a peut-être plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage? Peut-être. Pepe Le Moko, a film by Julien Duvivier, is a film about a man that every woman wants to be with and every man wants to be. Engaging the audience in Pepe's crazy life, Pepe Le Moko is one of the most influential films of this time era. On danse? Comment vous appelez-vous? Gisèle, ça fait Gabi. Veuve? Pourquoi? Avec qui êtes-vous? Avec un monsieur. Comment est-il? Jaloux. Et vous habitez l'hôtel? Oui, à l'été. Pourquoi riez-vous? Pour rien. Dommage. Dommage. Dommage que je vous connaisse pas plus. Pourquoi? Parce que je vous aurais fichu une paire de claques. J'aime pas qu'on rigole sans que je sache pourquoi. Ça me rappelle le 14 juillet, quand j'étais petite, aux Gobelins. Vous êtes des Gobelins? Ça ne se voit pas. J'étais à l'école rue de l'Arbalet. C'est à côté de chez moi. Ah, tu te rends compte? Viens, on va se promener. Où? Sur la terrasse, on voit le port et les lumières, tu verras. Non, pas ce soir. Je ne suis pas seule. Ben quand? Plus tard. Quand? Demain. Mais demain, tu seras parti. Je reviendrai. Parole? Parole. Ça te plaît? Dites-moi vous. Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas l'habitude. Pépé. Hôtel des Nords, a film by Marcel Carnet, is about René and Pierre, a young couple who stay the night at Hôtel du Nord in Paris. After shooting his wife, Pierre is bombarded with a whole string of events. Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même, pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Oui. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Faut bien, je m'y suis habituée. Coquermier à part, t'es plutôt bon mec. Partez, on se dispute, mais au lit, on s'explique.
et sur l'oreiller, on se comprend. Alors? Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me prête d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui collent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.